l'établissement français du sang, qui jusqu'à présent a fait des collectes à Courtabœuf et puis à la SCL de Luberon, nous ont demandé d'un lieu plus central pour favoriser justement l'accès, la mobilisation de la population pour ce don du sang, pour ce geste solidaire. Et quoi de plus central que la salle du conseil, qui est un lieu qui est connu de tous, qui est au cœur de ville. Il y a eu des locaux qui ont été prêtés à Courtabœuf, mais qui étaient très excentrés. La salle du conseil est à la fois accessible à tous les Ulyssiens et aussi aux agents de la commune. Et surtout, c'est beaucoup plus grand. En consacrant donc ce lieu à Odo du sang, nous avons fait preuve de partenariat. De ce fait, ce lieu devient un lieu de collecte mobile. En France, il y a 1 000 000 de personnes qui sont soignées chaque année par des produits sanguins, soit directement par des globules rouges, des plaquettes, du plasma ou des médicaments, qu'on dit médicaments dérivés du sang. Les besoins en France, ils sont de 10 000 dons par jour et en Ile-de-France, on a besoin de 1 700 dons par jour. Malheureusement, la région Ile-de-France n'est pas autosuffisante. Si vous voulez, depuis le début de la crise, nous avons accentué notre activité de prélèvement sur les communes, ce qu'on appelle le grand public, dans la mesure où sur les entreprises c'était très compliqué, puis il y en a beaucoup qui sont en télétravail, la partie scolaire c'est quasi impossible dans la mesure où les étudiants ne sont pas là. Donc on a vraiment sollicité les communes, les collectivités pour disposer de salles pour pouvoir prélever. Le label Commune d'honneur, c'est un label qui a été mis en place par l'EFS avec les communes qui sont partantes pour cette action. C'est une sorte de partenariat qui se fait. Pour y arriver à ce label, il faut donc répondre à certains critères qui sont requis pour avoir le premier cœur, le deuxième cœur, le troisième cœur. Alors il se trouve que pour le premier cœur, qui c'est celui de la collecte, c'était la mise en place d'un lieu central avec de l'espace accessible. Donc c'est déjà fait, nous sommes en train de le faire, nous sommes en train de le respecter. Le deuxième cœur, c'est celui de la communication. Et pareil, la Ville des Ulysses s'est déjà engagée à promouvoir le don du sang. Et ensuite, avec notre démarche qui va se poursuivre jusqu'à la fin de l'année, nous espérons avoir donc le troisième cœur. Ça concerne le soutien total, général à cette cause. Vous savez, le don de sang est bénévole et anonyme, et le donneur, quand il vient, il ne reçoit rien en face et il ne sait pas à qui sont adressés ces produits, mais c'est vraiment un acte de solidarité pure envers les autres. Je remercie donc les Ulyssiens pour leur disponibilité. Je remercie également la collectivité, la commune, monsieur le maire, ses adjoints. Vous êtes disponibles pour mettre à notre disposition des salles, des agents techniques pour nous ouvrir les salles, pour nous accueillir. Et ça, c'est quand même non négligeable. Ce n'est pas une seule fois dans l'année, c'est plusieurs fois dans l'année où vous mobilisez pour nous. Un grand merci.